Est-ce qu'on compte à des musiques ça? Les temps couillons députés, les labillés tout en bas. Les temps couillons sénateurs, les labillés tout de bas. Nous la jambée au palais, les labillés tout en blanc. Légende de la musique haïtienne, Lumane Casimir est une chanteuse hors pair. Née le 14 octobre 1922, Lumane Casimir débarque très jeune à Port-au-Prince avec pour seul trésor sa voix et sa guitare. Toujours à produire, toujours à travailler, toujours à faire différents bagages. Donc en réalité, je ne peux pas dire que je suspends de produire. Donc, est-ce que vous entendez la musique ça? Je suis sûr que vous entendez. Ou pas qu'on qui est-ce qui chante, ou pas qu'on est histoire qui cache derrière. Eh bien, je dis à, on va le faire découvrir qui histoire qui cache derrière musique là et qui est mon tout qui chante musique ça. Le blanc, chapeau, sec yon en tête yo et badine yon en main yo, c'était le style de époque ça. Et c'est ça que fait le dit, l'on habillé tout de blanc, l'hypotré un sénateur, l'a habillé tout de noir, l'hypotron député. Donc, c'était chanté ça. Et pas de compte l'humain, parce que l'humain n'est pas hypocrite. Il faut me dire bien, en pile artiste, c'est souvent interprété musique ça. C'est souvent Richel Guillaume, Darlene Desca, Tamara Suffren et Ta Famille Soleil, longtemps René Désir, t'es qu'on chante musique ça. Son musique, nous tendez souvent, moi-même, tout vraiment apprécié musique là. Même pas j'aime qu'on est qui se trouve qui cache des musiques ça. Je dis à moi dit femme aller qu'on est qui ça cache des musiques. Pas de compte l'humain parce que l'humain pas type pour moi. Mais maman me parlait me dit oh oui t'es compte l'humain t'es qu'on a le gardel et tu vois et Port-au-Prince donc tout le monde parlait de l'humain et me essayer chercher qu'on qui est l'humain. Donc m'attendais des musiques l'humain et c'est comme ça me découvrir chanter ça. Le m'attendais me dit bon chanter ça faut m'interpréter. Et Jean-Claude, qui était con l'humain, à partir de ce moment, Jean-Claude écrit texte. Parce que Jean-Claude était con l'humain. Jean-Claude, c'est un petit monde qui était con pote manger pour l'humain, parce que l'humain, c'était bon ami, ma tante. Donc, c'est à partir de là que vraiment Jean-Claude est arrivé, présenter, chanter ça à Jean, présenter là. Et moi, quoi, l'humain réveillé, tu vois. En époque client vient réveiller et jusqu'au lien de me faire 4 générations monde 4 générations jeunes qui chanter et Lumane Casimir et moi très content que me t'ai fait travail ça pour un artiste qui était tellement connu qui était extraordinaire. Et de là bon et me continuer grand pile l'autre musicien qui présentait moi qui fait me confiance avec des musiques que yo écrit donc en pilote en plaque en pilote compositeur que moi travaille avec yo tant que Pierre Gaucheri nous fait et tant que les Widmayer tant que Raoul Denis Junior tout monde ça yo tant que Tiral Bonsi tant que Claude Morcelin Aboudja tout c'est des musiciens qui gagne des compositions, mais il dit pas une autre voix, il veut chanter ça. Jean-Michel Daudier, c'est une tout. C'est Carole qui peut chanter. Donc, nous toujours essayer d'interpréter musique au monde pour me porter message là, by public là. Et moi, fais li avec que moi. Donc, il toujours avoir un public là et mon yo toujours satisfait. Donc, c'est là. De là, nous gagne toute une démarche. Moi t'a dit qui formation Carole, présentation Carole sous scène, caractère que pour aller une bail Carole, c'est pas moi qui bail Carole m'a oulé un caractère. Moi capable dit Viviane Gauthier avec Odette Winner, c'est yo vraiment qui fait caractère Carole m'a oulé, c'est yo qui t'ai bon des conseils de scène et c'est à partir de yo Carole m'a oulé on pral jamais. Et de Carole m'a oulé, nous vin entrer dans tout un engagement populaire. Et de engagement populaire, nous vin entrer dans politique peuple haïtien. Et de là, il y a de cela près de 4 ans, côté que moi été jugé nécessaire que peuple en leur pour le gain propre parti politique parle. Que c'est pas l'autre parti politique qui pral mener ni côté à payer pour politique. Que l'a fait propre parti politique parle et c'est comme ça moi été intégré avec plusieurs monde son parti politique qui relait maman et que m'invitait tout professionnel parce que pays a besoin professionnel pour le changer. Véritable légende de la musique haïtienne, Lumane Casimir est une chanteuse hors pair.
Né le 14 octobre 1922, Luman Casimir débarque très jeune à Port-au-Prince avec pour seul trésor sa voix et sa guitare. Sa rencontre avec le peintre Alix Roy va être décisive. Elle intégrera d'abord la troupe de Lina Maton-Blanchet qui lui ouvrira les portes de la scène. Mais c'est lors de l'exposition universelle du bicentenaire de Port-au-Prince qu'elle va se révéler au grand public. Elle interprète Papagui des Belles Garçons et Carolina Kao. Son auditoire tombe immédiatement sous le charme. La légende Luman Casimir est née. Elle va aussi faire partie du Jazz des Jeunes, groupe mythique des années 40-50 et se produira avec de nombreux artistes, dont le maître tambourineur Tiroro. Terrassée par la maladie, elle est morte en 1956 à 34 ans dans le dénuement le plus total. En 1978, la chanteuse Carole Demesmin lui rend un vibrant hommage avec sa chanson titrée « Luman Casimir ». Luman Casimir est considérée comme l'une des plus grandes icônes de la chanson haïtienne de tous les temps.